Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2. Et nous en sommes à l'épisode 9, comme d'habitude, prenez de quoi boire et pourquoi pas de quoi manger. On va se retrouver au minimum une bonne demi-heure ensemble. Je suis désolé s'il y a autant de temps entre chaque vidéo, ce n'est pas que je n'ai pas envie, loin de là. C'est juste que j'ai démarré de très gros travaux chez moi, et pour tous ceux qui me suivent, vous savez de quoi il s'agit évidemment. Et pendant une à deux semaines, y a des marteaux piqueurs de 8h du matin jusqu'à 17-18h. C'est littéralement un enfer. Et les records, j'en parle pas, je suis obligé de les faire dans la nuit après le live du soir. Bref, terrible histoire que je vous raconte là. On est parti pour la suite de notre incroyable aventure. A tout de suite. On est donc reparti pour notre aventure, il est temps d'aller voir les missions qu'il nous reste à faire. On va ouvrir la carte de ce pas. On va faire un dézoom, on n'a plus rien dans le camp. On a une mission très très loin, bien évidemment, qui s'appelle Javier Escuela. Dutch nous a dit d'aller libérer Sean des chasseurs de primes qui le détiennent à Blackwater. Et nous avons de ce côté Ossia qui nous dit qu'elle a besoin d'aide pour une nouvelle affaire à Emerald Ranch. Ok, donc là, clairement, on va changer de ville. Alors, à droite ou à gauche, c'est la même distance, ça va être très très long. Là, on n'y a jamais été et ça a l'air de bien descendre, donc je tenterai bien celui-ci en vrai, sachant qu'on est recherché. Ça peut presque être drôle, même si ça fait extrêmement peur. On va faire OCA et après, depuis cette mission, on ira ensuite en bas récupérer celle de Javier. Donc, à tout de suite, parce que ça va être très long. Allez, re tout le monde, nous sommes arrivés pour la mission d'Océa. C'était assez loin. Entre temps, j'ai fait plusieurs campements pour me cuisiner un petit lapin à gauche, un petit cerf à droite. Regardez les peaux que j'ai sur le dos de mon pur sang incroyable. Mais nous sommes arrivés et dans de bonnes conditions, très honnêtement. Le voyage s'est bien passé, mais mine de rien, ça coûtait au moins 6 ou 7 minutes de vidéo à ne rien faire. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur! Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Ok. On va donc braquer son propre cousin. Par alliance, évidemment. Et on va récupérer une diligence. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et surtout, ce qui m'a très intéressé, c'est qu'il y a de l'argent dans la maison. Et ça, c'est très intéressant. The place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Clearly you've recovered from your bear encounter. Allez, on est parti. Allez à Carmody Dell. On va voir un petit peu où ça mène. Et on va laisser la conversation, puisque cette fois-ci, on est en mission. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That fella's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches, that's easy money for us. I guess you're right.
Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. How you feeling about things now? What things? This place. The gang. Been here a few weeks now. Good, I think. Better. I figured more folks would have cut and run on us, given everything that happened. Like Dutch always says, a lone wolf don't last long out on the plains. He does like to trot that one out. People see that, especially when they get a few years on them. Even someone like Micah. There's a couple of folks I wish had cut and run. Maybe they'd say the same about you. Ok, je pense qu'on est bientôt arrivé. La voie de chemin de fer est juste ici. Donc à mon avis, voilà, c'est juste à côté. Pas de soucis. Ça doit être la maison là-bas, on va continuer à pied. Ok. On y va. Alors je ne tue personne. Allons voir ce qui nous attend, j'aime pas ça. Hein. Suivez aussi à pour explorer Carnodidale. Il faut savoir que j'ai récupéré mon chapeau qui est tout simplement dans la sacoche de mon cheval. There's comme quoi je lis tous vos commentaires évidemment. Stagecoach has to be in there. Ok. Il y a de l'argent dans la maison. Et ça, ça m'intéresse énormément. Allez, il veut quoi? Il veut quoi? Afficher la roue des objets? Il veut les jumelles, mais oui. Mais oui, c'est clair! Ok. Anyone around? Yes. Ok. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Jour, nuit, clairement la nuit. La nuit, ça me paraît mieux. Mais je dois tuer personne. Hein. Just wait. Comme ça, lui, il va s'occuper de la diligence. Moi, je vais pouvoir fouiller la maison. Je pense qu'il y a des trucs très intéressants à récupérer. Très bien. Attendons la nuit. Ok. Une petite clope. Let's go. Sure. Il dorme juste dans le jardin du gars. Hein. Rien à foutre. Hein. You go into the house. I'll go find this wagon. Ok. On sait pas encore s'il y a du monde pour le moment. On va peut-être pas trop courir. Normalement, ça devrait être bon, hein. Je pense qu'il y a personne, ouais. Ok, on va passer en vue FPS. Cambrioler la maison pour le faire doucement. Là, on a rien. Là, on a rien. Ok, on prend une pomme. Voler pour 45$. Une pomme, c'est considéré comme 0, ok, c'est 40 cents. Une carotte, peut-être. Ok, un peu plus cher, une carotte. Ça vaut plus cher. Très bien, bon à savoir. Oh, j'ai peur. Ok, on prend tout. Hein. On prend tout. Allez hop. Oh, 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 oh. On ferme. Ici, on est très sympa. Hein. Ok. Très bien. Ça réveille, il se réveille pas, tant mieux. On prend. J'ai peur, on est en FPS. Imagine, il y a un screamer, je lève ma tête et le gars il te regarde comme ça. Ce serait énorme. Ce serait le boss en vrai. Ok. Ça va, hein. À l'époque, ça grinçait beaucoup, mais apparemment, ils sont totalement sourds quand ils dorment. Ah, c'est ça l'Amérique. Ok.
Attends. Ok. Je prends tout, hein. Je suis gourmand, j'ai rien à foutre. Ah non, en platine, c'est pas mal ça. Ok, en ferme. Hop, moi je suis gourmand, désolé. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Ok. Encore une montre poussée en or. Allez, on ferme tout. On ferme tout calmement. Et voilà. Là, on a rien. On a rien. Ok, on se casse. Oh, oh, matez ça. Ok, on a quoi là? Pince à billets, je prends. Ça, ça vaut une petite blinde. Et on va refermer. Et ben voilà, c'est pas mal ça. 60 et 82 dollars en tout. Get on, dear boy. Ok. Allez, on est bon. Laisse-moi une place, frérot. Voilà. Allez, on se casse. Ramenez la diligence à Emerald Ranch. Aucun problème. On y va. On va avoir un peu de chemin et je crois que le train est juste ici. On va faire attention de ne pas se le manger. Ce serait dommage que ça mette fin à la mission maintenant. Et on peut y aller. Faudra faire un braquage de train, ça serait pas mal aussi. Oh, y'a mon pur sang qui me follow! Pretty sure they never even knew I was there. Yes, we. Less problems the better right now. Just need to get this back to Seamus in one piece and it's a good night's work. Ok, on a juste à lui ramener en bon état, aucun souci. Few bits and pieces, nothing too fancy. Well, we need anything we can get right now. This was easier than hunting a 1,000-pound grizzly, anyway. No doubt. I won't forget that in a hurry. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. And as usual, he did not flinch. Exactly. How long you think we're gonna stick around here for? Okay. Il va falloir faire attention, les accidents je connais. Et ça commence à me coûter une blinde. Ce serait pas mal qu'il bombarde un petit peu plus. En plus, il est pas loin. Yes, il tourne à gauche, ça dégage. Et hop, on bombarde, rien à foutre. Hein. Et rien nous fait peur. I think we've learned our lesson, Marilyn. And a few other lessons besides. I hope so, but I ain't so sure about that. Whoa, 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 whoa! Un petit peu d'orpiste. Ça va. Ça va, laissez-nous passer. Seamus was telling me how he also makes these little trinkets for people from animal claws, teeth, and such like. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Garer la diligence dans la grange. Hello, Seamus. Okay. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quick. Vous savez ce que ça veut dire, hein? On va améliorer enfin les quartiers d'Arthur et on pourra se TP au camp. Ça risque d'être énorme. J'attendais énormément cette amélioration. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. Find any other coaches that need selling. I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Eh ben voilà, bonne chose de faite, les amis. Bonne chose de faite. Accepter ou refuser? On va accepter, je pense. On va retourner au camp, comme ça, on rentre directement et on va pouvoir créer la TP. Allez, sure. On accepte. Normalement, direction le camp automatique. C'est bon, ça. On va pouvoir améliorer les quartiers de ce pas. Et en plus de cela, on va pouvoir tranquillement faire le reste. C'est-à-dire débloquer encore un marchand, par exemple. Un marchand de bouffe, ça peut être cool. Et Tutti Quenti. Et puis, on va continuer avec une nouvelle mission, évidemment. Mine de rien, on avance petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. Thank you.
Ok. On est pas mal. On va se garer. Ouais, parce que je me gare, moi, littéralement. On va se garer au Kamzer. On va aller là, voilà. Oh, putain de merde, où Jésus de Nazareth lui-même. Oh, le butin de la bande. Oh, le butin. Oh, là, là. Oh, on va se gaver. Oh, on va se gaver. C'est tellement bon, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ok, mon cheval même. Ça, ça me fait plaisir. J'avais peur au début, et puis j'avais quelques doutes. Et là, finalement, je me dis que bah, c'est peut-être un cheval heureux. Non content d'acheter des chariots volés, Samus est également un rustler. Rendez-vous dans sa boutique pour acheter des objets illégaux ou fabriquer des talismans. C'est bon, ça. Bon, lui, je vais lui vendre, les gars. Regardez bien. Non, c'est pas toi. Mr. Morgan. Attends, arrête. Yes, franchement, tu es fort de ouf, toi. One of the girls saw that friend of yours, Mary Gillis, sniffing about. Yes, I never liked that woman, Mr. Morgan. Funny business. Ouais. Allez, tire-toi. Tire-toi, tire-toi. Donnez. On va lui donner des petits trucs comme les pots qu'on a eu qui sont plutôt en bon état. Donnez pour la cagnotte. Voilà. Et en plus de cela, regardez bien ce qu'on va faire parce que là, ça risque d'être assez incroyable. On va aller voir la cagnotte et on va se régaler à améliorer nos quartiers. Comme ça, nous allons pouvoir nous TP. Ça, c'est dingue. Contribuer. Bon, il y a 243 dollars dans la cagnotte. On va donner des objets. On va donner quoi? On va donner ça. Ah, vous m'avez dit de garder les objets. J'ai retenu aussi un commentaire. Vous me conseillez de le vendre à d'autres personnes. Bon, attendez, on va donner ça au moins. Voilà, ça a l'air de valoir son petit pesant de cacahuètes. On va garder le reste. Et on va donner maintenant directement de l'argent. Donc contribuer. Moi je suis pas un crevard, hein. Moi je donne, il n'y a aucun souci. Donner de l'argent. Et on va donner 100 $, ça me paraît pas mal. Comme ça on va pouvoir améliorer des petits trucs à gauche à droite, dont les quartiers. Et ça c'est plutôt cool. Hop, yes, t'es allé beaucoup trop loin. T'enflamme pas trop, hein. Un petit 28 $ dans la poche, c'est toujours bon à prendre. Et on est bon. Allez, 100 $ dans la cagnotte. Bon, il est temps d'aller voir le registre, évidemment. Et là, on va pouvoir se TP au camp. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et on va voir ce qui a été vraiment amélioré. Page suivante. Putain, il y a que Arthur qui donne. Hein. C'est terrible. Hein. Vous êtes vraiment tous des crevards. Hein. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre les quartiers. Quartier de la bande. Voilà, 260 $. Donc, améliore les quartiers d'Arthur. Et déverrouille la carte de voyage rapide qui vous permet de vite rejoindre des lieux déjà découverts. Donc là, on va pouvoir se TP. C'est incroyable! Vos quartiers ont été améliorés. Une carte de voyage rapide. Donc, on évite de faire tous les trajets. Et ça, c'est incroyable. Pour tout le monde, alors, les munitions d'Arthur augmentent les fournitures d'armurerie. Non, ça, on avait déjà vu. Quartier de la bande améliore le reste des quartiers de la bande et augmente le moral du camp. Donc, si on trouve 140 $, on se régale. Ok, ravitaillement, envoie quelqu'un en ville pour récupérer d'autres exemplaires, très bien. Il y a un petit truc que je voulais faire, je vous avoue, j'hésite à craquer. Non, non, pas encore, pas encore. On va garder l'argent, il reste quand même 93 $ dans la cagnotte, c'est pas mal. Direction l'autre mission qu'on avait prévu de faire, et c'est d'ailleurs la dernière qu'on a à disposition, c'est celle de Javier. Javier, et je pense qu'on va se TP en vrai, non? Ça me paraît pas mal. Tiens, on a un courrier ici, bureau de poste, très bien. On va se TP, il est temps d'aller dans nos quartiers. On va voir un petit peu ce que ça donne. Tu peux partir, en fait. Enfin, genre, je t'aime pas, en fait. Je t'ai jamais aimé, d'ailleurs. Ils sont où mes quartiers, là, les frères? Allez, on est donc parti pour la seule mission encore disponible. Et clairement, dans GTA, par exemple, ou dans les Red Dead, quand il ne reste qu'une mission, c'est que c'est une mission qui va enclencher, bien évidemment, d'autres missions, mais surtout un événement qui risque potentiellement d'être terrible. On est donc parti, on a beaucoup de chemin, on se retrouve tout de suite en terre. Oh, 85 $ sur ma gueule, ça risque de me coûter cher. En terre où je ne suis pas bien accueilli, de toute évidence. Ça risque d'être dingue. Blackwater et ses alentours sont en état d'alerte. La zone concernée est indiquée en rouge sur la carte du menu pause. Si vous vous faites repérer par les représentants de la loi qui y patrouillent, vous serez recherché. Nous voici donc en terrain totalement ennemi, étant donné que on est full recherché. Et ça risque d'être compliqué. On va devoir faire gaffe.
Je rappelle que le but est d'aller sauver encore un ami à nous. Aïe! Ah, aïe! Ok, attends, gros, j'ai même pas... C'est quoi que j'ai pris, là? Non, non, pourquoi mon cheval va à droite? Bah, je vais mourir, en fait. Stop, 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 stop! Ouais, 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 ouais. Peut-être qu'à pied, c'est faisable, mais j'ai l'impression que dans cette zone, vaut mieux pas y aller. Ça me paraît bien compliqué, cette histoire. Parce que je les ai pas vus, en fait. Je me suis retourné, j'ai vu personne. Genre, les mecs, ils étaient sous terre. Ils sont sortis tels des topiqueurs. Aïe, aïe, aïe! Hop, j'ai perdu un dollar. Fais chier. Ok. Nous y voici. Ça va me ruiner ces conneries, putain! Allez hop, ça dégage. Hein. Voilà. Non mais. Oh là là! Impossible. Je comprends pas! Allez, on est parti pour la mission. J'ai enfin réussi, incroyable! C'était terrible! Terrible! Oh, quelle erreur! Allez, hâte de voir à quoi ça ressemble là-dedans. On va prendre un petit objet, tiens, on va prendre ça. Voilà, et on va prendre ceci. Attendez. Voilà. Oh la vache, 145$ de prime. Hors de question que je perde 145$ avec ces conneries. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater to see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen? Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess... We need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, okay. The government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well... We'll rescue Sean, and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Yep. Ça va être très chaud, cette histoire. Je vois pas comment on peut s'en sortir en terrain adverse comme ça. Trouver le bateau. Oh là là. Attendez. S'il est loin... Non, ça va, ça va, ça va. Follow me. Let's see if we can track down this boat. Ça va. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the... Okay. River West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as nous we y voici, nous y voilà. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York?
You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Ok, on va continuer de suivre le bateau. Je crois que j'ai été cramé, mais pendant la vie cinématique et pendant une mission, à mon avis, ça doit pas compter. Augmente un peu la cadence. Bah c'est toi que je suis, frère, c'est pas moi. Hein. Je la sens quand. Je sais que ça appartient en couille. Ça ne peut que partir en couille. Je commence à débarrasser de cette putain de prime, parce que là, c'est un délire, hein, les frères. Hein. Je pense qu'il faut que j'aille, à mon avis, dans une prison, voir le shérif de l'État. Parce que ça risque d'être tellement compliqué, cette histoire. 145$ de prime. J'ai pas envie de perdre 145$, hein, vraiment. Hein. Beaucoup trop cher. Hey, they've pulled into shore. Get your binoculars out. Let's see what we're... dealing with here. Okay. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. Okay. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Je peux pas mettre... Ah, c'est terminé. Plus de vue cinéma. C'est terminé, les gars, on coupe tout. C'est terminé, le cinoche. On n'en veut plus. Ok, on va passer en bas calmement. Ah là 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 là, en terrain rouge comme ça, c'est terrible. C'est terrible. Si vous avez des conseils pour effacer les primes comme celle-ci, dites-le-moi. Do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Stay here. Okay. Okay, let's move down. Don't pause until he's got their attention. Still reeling them in. Stay out of sight. Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Let's go now. Keep down. I'm beside myself. I lose everything. Oh, calm down, mister. I'm having a fit. Allez hop mon pote. Oh qu'on fouille, hein. Bah alors, tu t'en sors. Come on, let's get up there. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Oh, il a un revolver. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Ah! We need to get the hell out of these sons of bitches! You stay back!
Oh, c'est beau. Oh, c'est beau de ouf. Oh, c'est beau de ouf. Mais je suis en boîte de nuit ou quoi frère? Oh trop fouille hein. Bon la racaille ça dégage. Aïe! Stop, arrête de piller, fais pas le con. Aïe! Hop, désolé. J'adore les chevaux. Mais je les préfère en ragout, ouais. Merde, faut que j'arrête de fouiller les gens. Ok. On va reprendre ça. Ok, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Allez, ça dégage. Et ouais, mon pote, la racaille, ça dégage. Come on, let's get up there. Ok. Oh putain, je suis plus en terrain rouge. Incroyable. C'était tellement chaud pour rentrer là-dedans. Ok, hop. Oh, j'ai gardé mon chapeau. Est-ce qu'au final, je suis pas le boss? Hey, watch out for these two. Attends. Ok, on va prendre ça. Voilà. Ça, à bout portant, ça chicote. On va le fouiller. On fouille un petit peu de temps en temps. Ils ont des petits accessoires sympas. Des trucs en or et tout. Ils sont blindés, eux. Hein. Regardez. Encore un accessoire en argent. Je prends, hein. Ça fait masse pognon. Hein. J'ai une sacrée dette à rembourser et j'ai beaucoup de morts aussi. Ok. Charles, you take the right. I'll go left. Ok. Peut-être le faire au couteau, on peut ou pas? Goddamn army of these bastards. How much is Charles bound? Maybe we can try it ourselves. Still time. Allez, allez, allez. Ok. Oh la RNG, j'ai pas de balle. Ok, c'est bon. Ça c'est headshot. Aïe. Ah, la hanche. Ok. Y'a qui, y'a quoi maintenant? Y'a qui, y'a quoi maintenant, mon pote? Ok. Ça c'est fait. J'encule-toi. Hein. Oh, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Suivre Sean, crois-moi que je vais tout fouiller là, frérot. Parce que là, j'ai fait un carnage. Je me suis régalé. Ok. On va tout fouiller. Alors, si jamais, quand on sauvegarde, on peut savoir à quel pourcentage du jeu on est. Je suis à 16% du jeu. Je suppose que le mode histoire ne finit pas à 100%, d'accord? Enfin, je sais pas trop comment c'est fait, mais on a fait 16% du jeu. Déjà, bon, c'est 9 épisodes, beaucoup vont dire ouais, mais ça reste lent, mais au moins on se fait plaisir. Bah alors, frérot, t'as pris ta part ou quoi? Arthur. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found.
You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. On peut se gaver, les gars, je vous le dis. Ok, encyclopédie mise à jour, Tomahawk. Très très bien. Non, mais pourquoi tu veux aller sur mon cheval? Je veux juste fouiller le gars, moi. Ok, lui il a déjà été naturellement fouillé. Je suis quasi sûr qu'il y a quelque chose ici. Mission, les premiers sont les derniers. Mission complete. Mais putain, on rentre par où là? Et l'enfer, hein. Ah, on peut pas rentrer? Oh non. Je me demande un truc, une dynamite. Ok. Oh, cours. Je sais pas si ça a marché. Ça a pas marché. Merde! Dommage. Ça n'a pas marché, putain. Oh. Matez ça. Putain, il y a quelqu'un qui vient. Ok. Enquête. Suspect inconnu, enquête en cours. Ok, on va voir la carte. Ça fait peur tout ça, ça fait peur. Ah mais on a déjà quitté Blackwater, monsieur, très bien. Bon, bah écoutez, prochaine fois, direction... Bah direction la lettre ici, parce que c'est une quête principale. Juste quitter la zone de recherche. Parce que c'est assez terrible tout ce qui se passe. Et puis, on a fait du bon boulot. Je suis assez fier de moi. N'oubliez pas de j'aimer, le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.